Comment ne pas le reconnaître, le Brivido, puisque c'est le portrait d'un cheval que vous connaissez tous. C'est le portrait de son père, Siyuni, le meilleur étalon stationné en France, à l'heure actuelle dans le registre du plat. Et ce Le Brivido a été l'un de ses très bons performeurs, puisque c'est un cheval qui a gagné à 2 ans et qui a échoué. Non, Pierrick, c'est pas Siyuni. Il faut changer de lunettes, hein. Ah bon, Le Brivido a terminé deuxième de la poule d'essai des poulains de Bramto sur la ligne droite de Deauville. Il a échoué d'un souffle et il s'est ensuite envolé pour Ascot pour gagner sous l'entraînement d'André Fable et Jersey Stakes, qui est la meilleure course sur 1400 mètres du programme des purs 3 ans à l'époque, puisque maintenant le Jean Prat est sur 1400 mètres aussi. Il y a battu des grands chevaux, Le Brivido, élevé non loin d'ici au haras de Clairefontaine pour la famille Bugada. Et le voilà, Le Brivido, qui a commencé à faire une saison en Angleterre à Overbury Stud et qui est donc arrivé l'an dernier au haras de la Haineuse, un fils de Siyuni avec un pédigré assez atypique puisqu'il y a des gagnants de groupe 1 en obstacle dans cette famille, mais lui avait au contraire beaucoup, beaucoup de vitesse, un vrai cheval de 1200-1400 mètres qui a ensuite fini sa carrière chez Aidan O'Brien où il s'est replacé de groupe. Il est proposé cette année à un tarif réduit de 3 500 €, Le Brivido, et sera toujours bien sûr au haras de la Haineuse, ce portrait de Siyuni, si ça se passe aussi bien, ça ira bien.